C'est le temps de vous trouver un nouveau séchoir et vous ne savez plus où donner de la tête? Je vais vous aider. Aujourd'hui, je vous présente 4 séchoirs dans différentes gammes de prix. Bien entendu, les 4 séchoirs sont super bons. C'est tous des séchoirs de gamme reconnus et professionnels. Ça va dépendre de l'utilisation que vous voulez en faire. Comme séchoir d'entrée de gamme, j'ai choisi le Hot Tools Turbo Ionic. Il a un débit de 1875 watts, donc il est relativement puissant. Ce séchoir-là, c'est le meilleur en termes de réglage, puisqu'il a 3 réglages de vitesse et 3 réglages de chaleur. Ça va vous permettre de personnaliser la puissance selon votre type de cheveux. Le Turbo Ionic contient la technologie Ionic, ce qui va permettre de sécher les cheveux plus rapidement. Ça va sceller le cuticule et maximiser la brillance. L'ensemble vient avec 2 embouts et le séchoir va convenir à la plupart des diffuseurs universels. La garantie pour ce séchoir-là, c'est la plus courte et c'est de 1 an. Ensuite, on a le séchoir Babyliss Pro Luminoso qui est vraiment populaire pour plusieurs raisons. En premier lieu, il est offert en 5 couleurs vraiment funky. Ça, c'est toujours agréable. Il a lui aussi un débit de 1875 watts. La particularité des séchoirs Babyliss Pro, c'est qu'ils sont conçus en Italie et le moteur du Luminoso est à courant alternatif. Ensemble, la pression, le débit d'air, puis la céramique va permettre de sécher les cheveux rapidement, mais va aussi permettre aux cheveux de retenir l'hydratation de manière optimale. Le séchoir Luminoso offre 2 réglages de chaleur et 2 réglages de débit d'air. L'ensemble vient avec une buse ultra mince. Ce séchoir-là offre une garantie du manufacturier de 2 ans. On passe au niveau supérieur avec le Babyliss Pro Rapido. Comme son nom l'indique, il est super puissant et il va sécher les cheveux très rapidement. Il est très léger et offre la technologie de nanoparticules de titane. Tout comme les 2 séchoirs précédents, celui-ci a 1875 watts. Sa petite particularité, c'est qu'il vient non pas avec 1, pas 2, mais 3 embouts et une pochette pour le ranger et le protéger. Le séchoir Rapido offre 2 réglages de vitesse et 3 réglages de chaleur en plus du bouton à pression d'air froid. Le petit plus qui vaut selon nous vraiment la peine, c'est le filtre réducteur de bruit. Donc non seulement le Rapido il est puissant, mais il est silencieux. La garantie du manufacturier est de 4 ans, donc vraiment supérieure aux autres. Finalement, là, je vais m'adresser à ceux qui veulent jouer dans les ligues majeures. Voici ce qu'il vous faut, le Bio Ionic Pro Ultralight 10X. Ce séchoir est ultra léger, il pèse moins d'une livre. J'aime vraiment son design, ça rappelle les séchoirs antiques, mais version 2.0. J'étais vraiment surprise d'apprendre que le séchoir est de 1800 watts. Donc, techniquement, il est moins puissant que les autres. Par contre, il est muni d'un moteur sans balai. Le résultat, un séchoir 50% plus puissant et qui offre 75% d'économie d'énergie. La pierre volcanique combinée à un complexe minéral va lisser les frisottis, va maintenir l'hydratation. Et en plus, ça va procurer un maximum de lustre. La garantie du manufacturier est de 10 ans. 10 ans! Petit conseil, c'est vraiment important de conserver l'emballage d'origine pour que vos séchoirs soient sous la garantie du manufacturier. Et voilà, c'était les 4 séchoirs que je voulais vous présenter aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il y en a un qui vous tente plus? Les produits présentés aujourd'hui vont être dans la description sous la vidéo, donc vous pouvez aller lire les fiches de produits pour avoir plus d'informations. Si les fiches ne répondent pas encore à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous écrire et nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve pour une nouvelle capsule Mathémax. En attendant, venez nous rejoindre sur Instagram, sur Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plein de contenu sur la beauté. Bye!